66.
sentier des eaux. Ô Seigneur, notre Maître, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Cantique de Sophonie, page 332. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui. Réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. Le Seigneur a élevé à son trône, il a exaucé toi, il a étonné ton ennemi. Le Seigneur les rois vivent de toi, tu l'as plu de la terre à craindre. Sois sans crainte. De Sophrone de Jérusalem au 7e siècle, Jérusalem rencontre le grand roi. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Forme des chœurs de danse, peuple de la cité de Dieu. Bondissez, portes et murailles de Sion, et toi aussi, terre entière. Foule qui voyait Dieu faire son entrée à Sion, faites le tour de ses remparts. Aujourd'hui, le Dieu des dieux est apparu dans Sion. Aujourd'hui, on parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu, Jérusalem, cité du grand roi. Ouvre tes portes à celui qui ouvre à tous les portes du ciel. Aujourd'hui, celui qui jadis s'entretenait avec Moïse sur le mont Sinaï, avec une majesté toute divine, est né sous la loi. Il accomplit la loi comme un serviteur. Aujourd'hui, l'Époux céleste, avec la Vierge Mère, pénètre dans le temple.
filles de Jérusalem, sortez à sa rencontre, allumez avec joie vos lampes à la vraie lumière. Parez vos âmes pour le Christ époux. Venez tous, vous qui aimez le Christ, vous qui aimez Dieu. Accourons à la rencontre de notre Seigneur et de notre Roi, purifiés et éclatants de lumière, non pour obéir à la loi, mais poussés par l'Esprit. Oui, aujourd'hui, préparons des lampes brillantes et comme des fils de lumière, offrons nos cierges au Christ, lumière véritable, car il s'est manifesté au monde, lui, la lumière qui doit éclairer les nations païennes. Quand ce jour s'ouvre la porte du ciel pour que le Verbe soit présenté au temple selon la loi. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent.
Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Alléluia, 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 alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations, voici la gloire d'Israël. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. » Lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ton Père.
d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de la vie sans comme il a dit par la bouche des saints, ce notre foi s'est prophète. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte. Devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre. Dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin.
en ton Fils, tu épouses l'humanité et tu l'illumines de ta paix. Dieu notre Père, nous te magnifions. Seigneur notre Dieu, Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière. Puisque ton Fils unique ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.